Il faut que tu écoutes un point, c'est tout. Mais je quand vous je écoute, te demande madame. De te taire, tu te tais, c'est tout. Bah tout à l'heure, j'étais taisue. Hein. J'écoute. Elle dit que vous la remettez en cause. Elle dit que vous la critiquez. Elle dit que vous n'êtes pas d'accord avec les consignes qu'elle vous donne. C'est pas un collège de bisounours ici. Hein. On a un vol tous les jours. Hein. On voit quand même la différence entre des gamins qui sont dans des classes théâtre et ceux qui ne sont pas. Le théâtre, peut-être que ce serait un endroit où la matière que vous allez étudier, c'est vous-même. Ça m'a beaucoup aidé à me lâcher. Parce que au théâtre, tu n'es pas toi, tu es le rôle que tu dois jouer. Roméo, c'est Eddie. Juliette, c'est Océane. Voulez-vous prendre pour épouse Juliette Capulet, ici présente? Oui, je la veux. Je le veux. Il faut juste faire admettre que les valeurs qui sont dans le rugby sont des valeurs sur la citoyenneté, sur les valeurs républicaines. Et ça c'est bien. Le but c'est que la scène elle vienne de nous. C'est ça qui est intéressant. C'est vrai que c'est. On comprend pas, c'est assez drôle aussi. Ouais, ouais. Il y a de la niaque, il y a l'envie de réussir. Donc moi, en tant que principal du collège, ce que je vous souhaite, bah, c'est la même envie dans vos études. Donc encore une fois, bravo à vous. Voilà. Non, mais c'est une belle histoire. C'est vrai que le théâtre m'a quand même aidé à grandir, je pense.